Bonjour chers amis boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Ce que je m'apprête à vous dire dans ce vidéo fait suite à mon vidéo d'hier qui portait sur la politique monétaire américaine et l'inflation. Alors si vous ne l'avez pas vu, allez le voir et revenez voir ce vidéo par la suite. Le titre de mon vidéo d'hier était « Inflation, Papa Powell fut-il assez rassurant pour calmer les marchés? » Il faut maintenant croire que la réponse, c'est non. Surprenamment, hier, les marchés ont faiblement réagi au discours de Powell. Les marchés désirent plus d'intervention de la Fed pour éviter l'inévitable, soit une hausse des taux d'intérêt et une baisse des valorisations des actions. Comment? Avec une augmentation des achats d'obligations, une annonce de contrôle de la courbe de rendement des obligations ou la prolongation de mesures permettant aux banques de détenir plus d'obligations sur leur bilan sans que leur ratio de levier en soit affecté. Rien de tout ça ne fut annoncé hier et malgré cela, les marchés ont bien réagi en fin de journée. Or, la nuit porte conseil et ce matin, le portrait était totalement différent. Les marchés ont réagi avec 8 heures de retard à la conférence d'hier. Le taux des obligations 10 ans s'est envolé à quasiment 10 points de base pour grimper jusqu'à 1,75%. Pourquoi? Parce qu'actuellement, deux trames narratives s'affrontent dans l'arène de la finance. D'un côté, vous avez Papa Powell qui nous répète ad nauseam que la Fed anticipe de l'inflation modérée, tout juste au-dessus de la cible de 2%, et que celle-ci sera temporaire. Selon la Fed, elle va en quelque sorte se résorber d'elle-même lorsque l'effet de la relance économique se sera dissipé. De l'autre côté, vous avez une bonne partie des marchés qui croient que l'inflation sera beaucoup plus élevée que la cible de 2%, soit autour de 3 ou 4%, et qu'elle perdurera dans le temps, forçant de ce fait la Fed à réagir en réduisant ses achats d'obligations et en haussant les taux d'intérêt avant 2023. Encore ce matin, les invités des grands médias financiers américains avançaient cette narrative d'une inflation nécessitant l'intervention de la Fed plus tôt que prévu. Tout ça alors que la Fed le dit clairement, elle n'augmentera pas les taux d'intérêt et lorsqu'elle va le faire, elle va avertir les marchés bien en avance. Si elle a à choisir entre une maîtrise de l'inflation près de la cible de 2% ou maximiser l'emploi aux États-Unis, elle favorisera le deuxième objectif au détriment du premier, sans aucun doute. Le marché des obligations anticipe l'inflation et même si elle s'avère temporaire, le rendement vient s'y ajuster. Inévitablement, les taux se rapprocheront des anticipations d'inflation du marché pour les prochains mois et cet ajustement se fera rapidement, un peu à la manière des dernières semaines. Plus les obligations montent vite, plus les actions descendront vite. Les gestionnaires de fonds d'investissement se débarrassent des Tesla, NIO, Square, Apple, Amazon pour se tourner vers les banques, les télécoms, l'énergie, bref, tout ce qui accorde un rendement suffisant pour pouvoir couvrir leurs anticipations d'inflation. Alors, est-ce qu'on reverra une vente de feu comme au début mars en bourse? C'est fort possible. On pourrait facilement aller revisiter le creux atteint sur le Nasdaq et peut-être s'enfoncer un peu plus. Qui sait? Rien n'est impossible. À mon avis, toute cette peur quant à l'inflation est temporaire et elle n'est qu'une réaction émotive des grands gestionnaires de fonds d'investissement. Quand tu es un grand gestionnaire de fonds et que tu gères l'argent des autres, si tu veux la conserver pour pouvoir continuer de leur charger des frais et assurer ta paye, tu dois réagir au mouvement temporaire en bourse pour éviter que ton client voie une baisse sur son relevé de placement du mois prochain. Lorsque le client du gestionnaire de fonds l'appelle parce qu'il écoute CNBC à longueur de journée parler d'inflation pour lui demander ce qu'il compte faire pour protéger ses investissements, le gestionnaire doit répondre quelque chose. Il doit prendre les devants, réagir à cette incertitude et éviter d'être pris avec des obligations à faible rendement ou des entreprises technologiques qui rapportent rien. Alors le gestionnaire dit à son client « Ne vous inquiétez pas, monsieur ou madame, votre fonds et votre rendement seront en sécurité. Notre fonds s'est réajusté en se départissant d'une partie de nos obligations sans protection contre l'inflation et en se tournant vers des entreprises solides qui payent des dividendes assez élevés pour vous protéger de l'inflation lorsqu'elle se présentera. » Mais agir ainsi, c'est non seulement avoir une vision à court terme des choses, mais c'est de se fermer les yeux sur le futur de notre économie dont les technologies prendront une place prépondérante. En ce sens, je rejoins un peu Cathy Wood lorsqu'elle affirme que les investisseurs se tournent vers des value traps, c'est-à-dire des entreprises qui ont l'air d'offrir un bon rapport qualité-prix, mais dont la business sous-jacente est fortement menacée par l'arrivée d'entreprises perturbatrices qui éventuellement les feront tomber. Vous voulez des exemples? Tesla, NIO, Lucid contre les constructeurs automobiles originaux comme GM, Toyota ou Volkswagen. Square et PayPal
contre les banques traditionnelles, Amazon contre les Walmart et Target, etc. Au cours des prochaines semaines, on risque d'en voir du rouge. Le taux des obligations 10 ans s'en va vers le 2%, si c'est pas plus. Les entreprises en croissance vont souffrir, les grands fonds d'investissement vont jouer la sécurité et les larguer sur les marchés. C'est certain que si vous êtes dans des secteurs plus traditionnels, votre portefeuille s'en sortira probablement mieux. Par contre, si vous êtes très concentré dans les technologies, attendez-vous à saigner. L'important, c'est de ne pas paniquer. D'ailleurs, retournez voir ma vidéo « La bourse chute, comment réagir à un crash boursier » pour vous préparer mentalement à ce qui pourrait se produire au cours des prochains jours. Honnêtement, je compte accueillir à bras ouverts les journées sanglantes si elles se présentent dans un futur proche. Tout récemment, j'ai refait le plein de munitions en débloquant des nouvelles liquidités après la bataille des dernières semaines et je suis prêt pour la guerre. Let's go! Amenez-en des soldes, je vais en prendre. Si ce n'est pas fait, assurez-vous aussi de cibler les entreprises qui vous intéressent le plus et de déterminer un prix d'achat avec lequel vous êtes confortable. Si vous faites de l'investissement passif, ben ça sera peut-être le temps de penser à augmenter vos positions dans vos FNB favoris. Les prochaines semaines et les prochains mois, du moins, risquent d'être houleux jusqu'à ce que l'effet du dénominateur se dissipe. Si vous ne savez pas de quoi je parle présentement avec mon effet dénominateur, allez voir ma vidéo d'hier. Il y a aussi l'effet média qui risque d'amplifier le tout. Les médias financiers vont mettre l'accent sur le fait qu'il y a de l'inflation et que celle-ci est de 3 ou 3,5 %, peu importe. Tout ça risque de jouer sur vos émotions parce que pour eux, c'est payant. Ils peuvent captiver votre attention avec des gros titres alarmants et vendre plus de publicité. Personnellement, je le répète, je crois que l'inflation connaîtra une hausse importante, mais qu'elle sera temporaire et non permanente. Même si les taux d'intérêt à long terme augmentent, ils finiront par se stabiliser. Et lorsque ce sera le cas, vous verrez tous ces fonds d'investissement ayant délaissé les entreprises de croissance et de technologie virer leur capot de bord pour retourner dans ces secteurs d'avenir lorsque la tempête se sera calmée. N'oubliez pas non plus de penser à long terme. C'est certain que c'est plaisant de détenir des banques dans son portefeuille ces temps-ci, mais je garde toujours à l'esprit que le gros argent se trouvera dans les entreprises qui pourront résoudre les problèmes de demain. Puis, si je peux les obtenir à rabais, tant mieux. Si vous croyez fermement que l'inflation est là pour rester, que les anticipations des agents économiques seront modifiées, sur le long terme, ça n'aura pas nécessairement un impact négatif sur les actions d'entreprises qui ont des revenus et qui font ou qui sont en voie de faire des profits. C'est pas demain la veille, à mon humble avis, qu'on va voir Jerome Powell annoncer une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Enfin, c'est mon pep talk en vue d'une potentielle correction 2.0. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire quelles sont les entreprises que vous avez dans votre viseur advenant le cas où on tombe encore une fois en correction boursière. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.